la pression atmosphérique et la force exercée par le poids de l'air au-dessus de nous. La pression est maximale au niveau de la mer et diminue avec l'altitude. Les zones de haute et basse pression couvrent le monde. Et jouent un rôle important dans l'évolution de notre climat. En un mot, l'air ascendant conduit à une basse pression à la surface de la Terre. L'air qui coule conduit à une pression à la surface de la Terre. L'air veut naturellement passer de la haute pression à la basse pression. Combiné à la rotation de la Terre, des zones de pression différentes créent un flux d'air ou de vent, avec une haute pression, l'air descendant supprime l'évolution du temps. Ce qui conduit à des conditions souvent calmes, claires ou ensoleillées, amis également à des nuages ou à du brouillard piégé. Avec une basse pression, les vents circulent rapidement vers l'intérieur et vers le haut. Lorsque l'air monte et se refroidit, des nuages et des précipitations se forment. Les tempêtes sont des zones profondes de basse pression qui apportent des vents forts et des pluies fortes. Ainsi, bien que vous ne puissiez pas le voir, la pression a une énorme influence sur notre météo.